Vincent's workshop is located in Hufeng Mountain in Chongqing. He decided to settle here 15 years ago. Vincent didn't come to China in search of Shangri-La, but for lacquer, a material he feels a deep attachment to. Removing the impurities in natural lacquer through filtering, adding natural pigments, and applying them evenly on wares are the basic steps of making lacquerware. Lacquerware technique first spread from Asia to the West, and eventually, the whole world. À ce moment-là, ça commence. Je me disais, comment je peux. J'étais attiré par les lacquards déco français, Jean Dunant, Gaston Suisse. J'avais fait mes recherches dessus. Et eux avaient la laque du Vietnam, la laque de Chine. Ils me disaient, mais comment ils ont. Nous, à notre époque, en France, on n'a plus de laque. Après mon premier voyage en Chine, je suis rentré enfin, je me suis dit, ouais, ça me manque déjà. Lacquer is a natural cold coating, a sticky white sap that flows from the lacquer tree when the bark is cut. Lacquer trees originate in Asia. They are difficult to access and have a low output, so it is more or less impossible to see fresh lacquer in Europe. Au tout début, j'ai amené la laque dans la valise en France et je travaillais dans mon atelier. Je commençais à faire des peintures en France. Mais ça devenait très difficile d'amener la laque en France parce que c'est pas facile à amener, à exporter en fait. Et j'ai ouvert mon atelier en Chine, c'est devenu plus facile de travailler en Chine, de peindre en Chine en fait. This is Vincent's 15th year living in China. He has received a special invitation to mark this special anniversary. Ça va et toi? Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. Ah, je suis avec vous. Le Festival Croisement est le plus grand festival français organisé à l'étranger. Il a lieu chaque année en Chine, de mai à juillet. Donc il vient à la rencontre du public chinois pour montrer cette rencontre entre la culture française et la culture chinoise. Donc, 15e édition cette année du festival. Et Vincent Cazeneuve habite en Chine depuis, et dans le sud-ouest de la Chine, depuis près de 15 ans. On a trouvé qu'il y avait là une jolie correspondance entre cet anniversaire et ce pan de vie de Vincent en Chine.但是表现的是他的眼睛中国的传统记忆，这个期待手里边他活了，非物质遗产活化，活化我觉得纹身的就探索是一条路了。现代艺术家的思想，但是把古代的记忆给他根植根于现在生活了，而他找到了新的土壤，所以虽然是一个古老的种子，开出新花来了，而这就是创新。